What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. On est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment, les amis, vous le savez. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, vous avez sûrement cliqué sur la vidéo à cause du titre, les amis. On va parler de K-Faction, de la dernière mise à jour et des nouveautés. Mais juste avant, juste vous dire que il y a eu un bug de duplication en fait avec la monnaie, avec le système d'enchères. Donc en gros, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avec le système d'enchères, les gens ont pu se faire, comme vous voyez, des trillions et des trillions de monnaie. Donc c'est un peu embêtant. Donc avant de commencer, je vais juste vous dire qu'il y aura un rollback sur le serveur et qu'on va donner à disposition un truc comme ça. Et puis qu'on va faire deux giveaways de clés. Des clés normales comme ça, on va faire des giveaways de cette clé là dans la journée du serveur. Donc en gros là aujourd'hui on est le 14, donc dans la journée de ce soir il y aura deux giveaways de clés. Donc il y en aura un vers à peu près 18h pour les français, et puis il y en aura un peut-être vers les alentours de 22h, 23h, c'est plus pour que les Québécois aussi puissent en avoir, parce que il y a les cours au Québec. Vous allez aussi avoir à votre disposition ce kit remboursement qui va être une durée de 24h, donc vous allez avoir un P4 Nephilim avec un peu de trucs pour PvP, vous allez avoir des Evocapers et des Scripsy, donc voilà. Et normalement, vous allez avoir juste un rollback d'à peu près 5h. Donc, c'est pas si grave que ça. Le dernier rollback devrait être à 18h hier. Donc, à 18h le 13 septembre. Donc, c'est pas super, super grave. Je parle bien de 18h heure française. Hein. C'est donc midi au Québec. Vous avez pas perdu énormément. Vous avez perdu à peu près 12h de temps, quoi. À peu près. Non, 7 heures à peu près. Et nous, on va vous donner des clés. On va vraiment se racheter, les amis. On est vraiment désolé. D'ailleurs, pour la mise à jour, donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rajouté un système d'enchères. Donc, qu'est-ce que c'est un système d'enchères? Là, vous allez voir, les enchères, ils vont apparaître dans quelques minutes. Mais, ils vont apparaître dans 5 minutes. Hey! Mais avant, on va aller au temple, parce que au temple, on a fait une modification au temple, et en plus, il termine bientôt. Donc, le temple, il est ici. Donc, maintenant, le temple, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez vous imaginer, des fois, il n'y a pas de cristal comme ça. Donc, il faut le redémarrer. Ça va être fixe dans la mise à jour. Donc, voilà. Hop là. Voilà. Ça va être fixe. Et aussi, qu'est-ce qui va être intéressant, comme vous pouvez voir, la durabilité du truc va aller de entre 150... de 100, je crois. C'est de 100 à 300. Donc, parfois, des totems vont être plus difficiles. Je vais juste vous montrer, par exemple. Stop. Temple. Et là, on va en redémarrer un. Là, vous voyez, ça, c'est 179. Donc, à chaque fois, ça change. Et c'est quand même vachement intéressant. Je vais le remontrer, en gros. Comme ça, parfois, vous avez vu, là, ça retourne à 246. C'est aléatoire. Ça prend un chiffre entre 100 et 300. Donc, voilà. Si jamais vous aimiez pas le temple, vous trouvez qu'il était trop facile, on l'a rendu plus difficile. Même chose pour le volcan. Donc le volcan est rendu beaucoup plus difficile à miner. On va se rendre, vous et moi, au volcan, mes très chers amis. J'espère qu'on trouve un minerai assez rapidement. Ok, t'es sérieux là? Je trouve pas de minerai, les amis de l'internet. Ah, il y en a un ici. Parfait, donc on va prendre une Pharmax. Je vous parlais des Pharmax après. Donc, on va prendre une Pharmax et puis on va... vous voyez comment c'est plus long? Ça prend environ 20 secondes à miner le bloc. Donc, les volcans durent un peu plus longtemps, les temples aussi. Ça fait que les événements PvP sont plus nombreux et beaucoup plus intéressants. Comme là, vous allez voir, ça prend à peu près, comme je vous dis, une trentaine de secondes à miner. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même plus intéressant. Ensuite, les pharmax, comme vous allez voir, celles en éphiline, celles en épidote et celles en énergie ont maintenant des capacités. Donc, vous faites juste cliquer droit dessus. Quand vous en avez crafté une, vous faites juste cliquer droit dessus, comme moi je viens de faire. Et puis, cliquez droit, genre vous la mettez en votre main et vous cliquez comme ça. Et vous allez voir que ça vous donne des enchantements. Donc, épidote, fortune 5, néphiline, fortune 4 et énergie, fortune 3. Pourquoi ça? C'est très simple, c'est pour éviter les lags sur le serveur. Donc, les lags, qu'est-ce que c'est? Les lags sur notre serveur, ils proviennent d'une chose et c'est de la redstone. Donc, on a dit que si les gens farmaient plus les melons avec les pharmacs comme ça, et certaines factions vont peut-être retirer leur machine et ça va pouvoir permettre un PvP plus clean et un gameplay beaucoup plus clean pour les joueurs qui PvP. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça.
Si jamais vous avez des grosses machines et que vous avez plus envie de les avoir, vous dites ouais, ça vaut plus la peine, c'est mieux de farmer avec des champs de melons. Vous inviterez juste à contacter Noclus sur le TeamSpeak. Donc vous venez sur TeamSpeak, vous avez dans besoin d'un fondateur, il vous marquez Noclus. Noclus va vous move et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vous rembourser tous vos pistons en argent, par exemple. Je vous donne un exemple, vous avez, je sais pas, 1000 pistons dans votre claim. Il va évaluer les pistons à 1000 chacun, il va vous donner 100 000 $ par exemple, ou un exemple comme ça. Et donc si vous voulez vous faire rembourser vos pistons en argent et puis préférez faire des champs de melons pour farmer les points et les l'argent. Et pour détruire vos systèmes de redstone, on peut se ranger sur TeamSpeak, contacter Noclus. Donc, ok, il y a des nouveaux enchères qui ont été rajoutés. Donc, les enchères, c'est quoi? C'est, comme vous voyez en ce moment, c'est des prix de départ. Donc, le prix de départ ici est à 500, 500 et 500. Ça ici, c'est une clé à spawner, hein, si vous n'avez pas compris. Donc, ensuite, vous pouvez augmenter de 100, de 500, l'ami. Ouais, ou vous pouvez augmenter de 1000, comme vous voyez en ce moment. En gros, comme vous voyez, là, j'ai plus beaucoup d'argent, mais quand les enchères vont se terminer, si je suis le dernier à avoir gagné, à avoir mis le prix, c'est moi qui va gagner. Donc, la personne qui met le plus d'argent sur les items, c'est celle qui va gagner. Par exemple, pour un volcanite, ça peut aller jusqu'à 200, 300 000 peut-être une enchère. Pour un pantalon P4, ça peut aller aussi comme ça. Il y a vraiment des items OP dans les enchères, les amis. Hein. Vraiment, vraiment énormément d'items OP. Et c'est là que le problème de duplication est venu avec les enchères. Donc là, pour l'instant, la version qu'on a en ce moment a été testée. Et normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas avoir de bug. Mais il peut toujours avoir des bugs, etc. S'il y en a, on va le corriger le plus rapidement possible. Les amis, on va être connecté. On va enlever le plugin directement pour tout fixer le truc le plus rapidement possible. Parlant des nouveautés, on a aussi rajouté un jackpot. Donc maintenant, vous avez un jackpot sur le serveur. Comment vous pouvez voir le jackpot? Vous faites slash jackpot. Le prochain tirage au sort et de la loterie aura lieu dans 10 heures. Donc à tous les jours, à 20 heures à peu près, je crois. Vous pouvez participer à une loterie qui coûte 500 $. Comment faire, c'est que vous achetez un ticket avec Lottery Buy et ensuite vous pouvez voir le pool total de la loterie. Comme on peut voir en ce moment, qu'il y a 129 joueurs qui ont acheté des tickets et il y a une récompense de 64 000. Donc ça l'accumule, exemple, les 129 x 500 et ça les met là-dessus. Et puis la personne qui gagne remporte le tout. Aussi, il faut savoir que vous pouvez acheter plusieurs tickets. Donc si vous achetez par exemple 1000 tickets, le pool va être bien sûr plus gros, mais vous n'êtes pas garanti d'obtenir une chance de gagner le pool. Tu sais, c'est un jeu, quoi. C'est un jackpot, quoi. Donc voilà, ça c'est ça. Aussi, dans les AP, donc c'est officiel maintenant, dans tous les AP, tous les joueurs ne peuvent plus poser de Hooper et ce genre de trucs. What the fuck? Ça bug. Et puis l'autre, il est où? Il est là. Donc, dans les AP, vous pouvez plus, vous, les joueurs, poser de Hooper, de barrière et tout ce qui est piston, comme les pistons comme ça. Ça, vous pouvez pas les avoir, vous pouvez pas les poser. Donc, ça va être... Je vous conseille de retirer tous vos items. Je sais pas pourquoi il y a des golems ici, no fake, là. Je sais pas qui s'est amusé à mettre des spawners à golems dans son AP. Mais tous les items dans les AP, comme les Hooper, les trucs comme ça, ça fonctionne plus du tout. Vous pouvez plus les poser. Donc, voilà. Faites attention, si vous avez des items comme ça, retirez-les. Hey! Sinon, vous allez vous faire sanctionner. Donc, ce serait un peu embêtant de vous faire sanctionner, mes chers amis. Donc, je vous conseille de juste les retirer. Beaucoup plus simple, si vous les retirez, vous ne faites pas sanctionner. Et puis voilà. Ensuite, dernier truc qu'on a fait, on a retiré la boîte école. Donc, vous vous souvenez, il y avait une boîte spéciale école qui était ici du côté nord, juste ici. Elle était pour la rentrée scolaire, elle a été retirée de la boutique aussi. Nous avons rajouté des kits sur la boutique. Donc, vous pouvez acheter maintenant le kit Redstone. Kit Redstone qui vous donne tout ça. Donc, voilà, c'est pour faire les petites machines, des trucs comme ça. On dit pas que la Redstone s'est interdite sur le serveur, les amis. On dit juste de réduire vos circuits de Redstone. C'est pour ça qu'on a fait un kit Redstone qui produit un petit peu de Redstone, etc. Ensuite, vous avez le kit Burr. Le kit Burr qui vous donne de la bonne meal pour faire pousser vos graines de cannabis et tout ça. Donc, qui est super cheat pour le farm de points au cannabis. Si vous farmez le point au cannabis, les joints, pommes comme ça, patates empoisonnées. Tout plein de trucs qui vous donnent des effets, quoi. Et le kit potion. Le kit potion qui est 16 potions de heal, 4 potions de speed, 3 potions de force 2, 2 potions de feather falling et une potion de fire resistance. Aussi, on a corrigé un gros bug comme ça. Maintenant, vous voyez les messages dans le chat. Donc, si vous savez pas, on a un système de bar, qui est le war bar. Si vous allez au bar et vous avez de l'argent, par exemple, je vais me donner de l'argent, icons, equal, give, 10 000. Par exemple, j'ai de l'argent, je peux acheter une bière. Okay? Par exemple, j'achète une bière et je la bois dans le chat. Ça dit maintenant barmaid, yeah, le barmaid c'est lui. Donc lui, il est content parce que c'est lui qui vous dit dans le fond, yes man, Icons remporte 3000 $. C'est que t'as remporté 3000 $. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand vous achetez une potion, vous avez un multiplicateur. Le multiplicateur sur cette potion est de x2. Le prix est de 1500.
1% de chance, excusez, je suis vraiment fatigué, il est genre 3h11 du matin. Donc quand vous achetez cette potion, vous avez 50% de chance de faire x2 sur votre mise. Mais par exemple, quand on voit ici, ici sur le whisky qui coûte 1 million de dollars, vous avez 10, vous pouvez doubler à 10 millions de dollars et vous avez seulement 3% de chance que cela arrive. Par exemple, c'est possible, vous voyez, c'est possible, c'est 3%. Quand on descend ici, on peut voir qu'il y a d'autres types de multiplicateurs, donc 1%, 25%, plusieurs trucs comme ça que vous pouvez essayer, comme celui-ci quand même assez intéressant. Vous avez 0,5% de tripler votre mise. Donc ça coûte seulement 20 000, mais vous pouvez faire 60 000. Vous avez plusieurs choix ici. Moi, personnellement, le préféré que je trouve qu'il y a le plus intéressant, c'est le Tia Maria ainsi que la bière. Donc après, vous pouvez voir être par vous-même. On a aussi un système de mine. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous faites slash mine, c'est un système qui est inédit à KaFaction. Slash mine 5 par exemple, vous avez un démineur qui apparaît et là vous devez découvrir les diamants. Si vous tombez sur une TNT, vous perdez tout comme je viens de faire. Mais par exemple, si vous avez slash mine, faut que j'attende. Mais si vous tombez sur un diamant et vous décidez de cliquer sur le beacon, et vous pouvez repartir avec tout votre argent sans problemos. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, il y avait un problème avec les PNJ qui n'arrêtaient pas de despawn. Normalement, le problème-là a été fixe. Aussi, on va rajouter, augmenter le prix des melons. Donc, ça va être plus genre, whoop-a-lay, ça comme ça. Comme ça, pour que les gens qui farment les points, avec la nouvelle fortune, etc., ça soit plus intéressant pour vous. Je vous invite à vraiment utiliser les pharmacs, les amis, ça va régler les lags un peu sur le serveur. Vous pouvez toujours avoir des circuits de redstone, mais les cloques, etc., essayez dans le moins possible, c'est ça qui fait laguer énormément le serveur. Et puis, voilà, mes chers amis. Pour le dernier truc que j'avais à vous dire, oh, il faut que je remette des enclumes ici d'ailleurs, je vais en remettre. Donc, le dernier truc que j'avais à vous dire, c'est de voter pour le serveur, les amis. Je sais que pour vous, oh, tu sais, vous votez pas nécessairement, vous prenez juste la récompense. Moi aussi, je faisais la même avant. Mais depuis, j'ai réalisé que avec KaFaction, on est un des serveurs les plus populaires. On a quoi, 400 pour l'après-midi, le soir. Et on a des gros problèmes en fait. Le gros problème qu'on a, c'est que sur la page d'RPG Paradise, il y a quasiment personne qui vote pour nous. Donc ça prend juste 2 minutes de votre temps, les amis. Et nous, ça aide le serveur à se faire découvrir et que des nouveaux joueurs se connectent au serveur, ainsi de suite. Aussi, je voudrais remercier tous les youtubeurs qui font des vidéos sur le serveur. Donc je vais sûrement en oublier, mais Flows, QC Hux, Ice Expert et tous les gens qui ont fait des vidéos sur le serveur, Okila et tout. Gratuitement, no fake, un gros merci à vous. Vous êtes jamais venu nous demander de la thune ou quoi, et puis ça, j'apprécie énormément que vous appréciez le serveur, vous faites des vidéos sur le serveur, et ça représente le monde entier pour moi. Un gros merci à chacun d'entre vous, à toute la liste des partenaires aussi, là j'oublie, mais il y a Skinez, il y a K-Rose, il y a plein d'autres gens aussi que j'ai, il y a Flows, plein d'autres gens que j'oublie certainement, mais vous saurez vous reconnaître, les amis, dans tous les cas. Vos youtubeurs favoris, s'ils jouent sur KaFaction, dites-vous qu'ils sont pas payés, et puis vous pouvez leur remercier de jouer sur KaFaction et de vous avoir fait découvrir le serveur, franchement, parce que c'est grâce à eux que le serveur est aussi populaire. Aussi, je vais faire une vidéo de base tour série demain ou après-demain. Donc, si vous êtes intéressé à me donner vos noms de base, dites-le moi maintenant. Et puis, on va dans les commentaires avec votre nom de votre home. Et puis, on va présenter ça, les amis. Et puis, c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, il y aura un giveaway de clés aujourd'hui. Deux giveaways de clés, un vers aux alentours de 18h et un plus vers 22h, 23h, heure française. Et puis, pour les Québécois, c'est midi à peu près 14h, 16h chez nous, les Québécois. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère vraiment que la vidéo va vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé pour le problème de duplication de monnaie. J'ai pu rien faire et là qu'il a fait une erreur. Et puis on est tous partis se coucher hier soir. On n'a pas nécessairement eu le temps de fixer ce souci. Donc je suis vraiment vraiment désolé, les amis. Je vous aime énormément. J'espère que vous allez venir sur KaFaction dès la réouverture. Moi, je vous aime infiniment. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.